Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 31 décembre. Le journal rapporte que les Parisiens ne pourront cette année attendre à tabler dans un café-restaurant, le dernier coup de minuit de la journée de Saint-Sylvestre, pour exprimer leurs souhaits à leurs amis et boire à l'année nouvelle. Avec des formules polies, ceux qui auraient pu adoucir ont maintenu la décision du préfet de police et enlevé tout espoir aux ambassadeurs, aux limonadiers et aux réveillonneurs. Le journal La Lanterne rapporte « Adieu et sans regret, année de déception, de crise, de grève, de misère. Les éléments nous furent contraires et les hommes impitoyables. Tous les scandales de la guerre devraient naturellement crever dans l'après-guerre immédiat, comme au temps d'Absémur. Le plus redoutable de tous les scandales fut celui de la marine marchande, mais ce ne fut pas le seul fléau. Monsieur Buisson s'en est allé, mais le mal qu'il fit persiste, et le peuple, qu'il fait profession de défendre, ne sait pas encore l'étendue du désastre dont il lui est redevable. Mais cet homme n'était que le sous-verge de Clémenceau. Celui-ci présidait un gouvernement catastrophique qui n'a pas un seul instant su apprécier leur valeur et résoudre logiquement les problèmes économiques formidables que la guerre lui avait imposés. Quant aux entreprises calamiteuses du citoyen Boret, qui se couvrit du prétexte du salut de la France pour la piller à travers des vols, malversations et concussions. Tout au long de l'année, nous avons révélé chaque jour avec une infatigable effronterie l'incurie des uns et les crimes des autres. Notre devoir n'allait pas sans quelques risques, d'ailleurs négligeables, mais s'accompagnait d'un écœurement grandissant. La lanterne poursuivra sa tâche, en dépit des rapaces que la lumière rend tremblant et stupide. Notre labeur continue. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.